ligi Ntu sawa Yesu tampata wapi Mfariji mwema mwamba wa kweli Kwenye jana kiu anawalisha Maniki mtu sawa Yesu tampata wapi Mfariji mwema Mais curieusement, vous verrez le scénario que nous venons de lire. En quittant la terre, au lieu d'aller rencontrer le Seigneur pour qui vous avez dit, vous vous retrouvez au milieu de vous. Tutasoma neno la Mungu mkitabu ya Zaburi Psalm chapitre 2 Zaburi sura ya pili Verset 11 à 12 Mustari ya 11 pa 12 Psalm chapitre 2 Zaburi sura ya pili Verset 11 à 12 Mustari ya 11 mpaka 12 Servez l'Éternel Mumutumikie wa milele na boka Et réjouissez-vous avec tremblement Mnamufurahie pamoja na kutetemeka Baisez le fils de peur qu'il sirie. Mubusu mwana bila oga bila kusirika. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Ili mushipote munjia yenu. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Kwa maana kasirani yake ni haraka kuwaka. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Wenye heri ni wale wako na mtumainia yeye. Amen. Amen. Nous entonnons un court cantique. Batutumie mwimbo mfupi. Tous ensemble, nous allons remercier le Seigneur. Onesha kama kuko mgonjwa. Seigneur, fanya Bwana. Tutapishana na resurrection puisse les accompagner. Ili uwezo wa ufufuo ipate kuishindikiza. Ili wakati itagusa mgonjwa, ceci soit guéri au nom du Seigneur Jésus Christ. Wapone na kutunzwa mjina Yesu Kristo. Bariki kila mmoja wetu. Tupatie usikilivu wema. Na uwe pamoja nasi. Mwanzo hadi mwisho. Kwa maana tunayaomba. Mjina Yesu mwokozi wetu. Amen. Amen. Avant de chanter pour la gloire de notre Dieu, na mbele ya kuimba jao utukufu wa Mungu wetu, demandons frère Jérémie et la sœur Fabienne de se mettre debout. Tunamlomba ndugu Jérémie na dada Fabienne ba shimame. Nous on dit au revoir. Boba na laka kanisa. Dieu voulant demain, ils pourront retourner en Afrique du Sud. Kama ni mapenzi ya Mungu kesho watarudia kwa Afrika ya Kusini. Nous on dit au revoir, na shida na me. Tubalake kwa kutingiza mkono. Bon retour. Kurudia kwema. Nous allons maintenant chanter pour la gloire de notre Dieu. Sasa tutaimba jao utukufu wa Mungu wetu.
Nous saluons l'Église ce soir dans le nom glorieux de Jésus, le puissant vainqueur. Magaribi aleo tunasalimia kanisa mujina Yesu utukufu mshindaji mkubwa. Soyez tous bénis de l'Éternel. Nini wote mbarikiwe na wa milele. Veillez honorer la lecture de la parole de Dieu. Basi msimame juu ya kupata kuheshimia kusomi wa neno la Mungu. Par sa grâce, nous allons terminer avec et toi aussi. Vanema yake tunaweza kumaliza na kichwa mambo tunasema na wewe pia. Isaïe chapitre 14. Isaïe sura ya 14 verset 9 à 10. Mstari ya 9 paka ya 10. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Fasi ya wafu inatingizika hati misingi yayo, juu ya kupata kukupokelea wakati utapofika, na inaamusha wafu na wakubwa wote wa udongo, inafanya watawala waikale pabiti ya mataifa ya utawalo. Na wao wote wanachukua neno na kusema, nawe pia, unakuwa kama sisi, unafanana nasi, unakuwa bila nguvu. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, verset 8. Wa Korinto wa kwa pili 13, mustari yake ya 5, taruka kufikia kwa 8. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Mujichunguze nyinyi wenyewe, ili mupate kujua kama mko ndani ya imani. Mujipime wenyewe, amtambui ya kuwa Yesu Kristo yako ndani yenu. Amta itambua ni kama basi amkukataliwa. Sababu sisi hatuna na uwezo ya kukombanisha ukweli, lakini tuko tuna uwezo juu ya ukweli. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka usomi wa neno lake. Il circule un mauvais vent, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé chez vous. Pepo moyo mbaya iko nazunguka mdunia na sazina yafika kwenu. C'est lui selon lequel l'âge ou le temps du prophète est déjà révolu. Maintenant, c'est le temps de Frère Franck. Il est qu'on a sema, wakati ya nabi na ya nduku Frank ishaka pita. Wakati ya nduku Brana ishaka pita. Hapa sasa ni wakati ya Frank Bule. L'âge donné ne termine pas cet âge de la Odyssée. Ikizazi ala udiki. Ne se termine pas avec la mort du prophète. Akimaliziki na lufu ya nabi. L'âge de la Odyssée se termine avec l'enlèvement de l'épouse. Kizazi ala udiki kikuna malizika ni kama bibi harusi ananyakuliwa. Et dans un âge donné. Na mukizazi kenye kuletwa. Dieu n'utilise qu'un seul prophète. Mungu yako natumikisha tu nabi moyo. Amen. Amen. C'est pourquoi. Njoman. Aujourd'hui il y en a qui tiennent ce message au bout de nous. Pour dire ces choses, mais c'est horrible. Et je vais vous lire aujourd'hui le frère Franck, ce qu'il dit au sujet du message. Et au sujet du prophète. Vous faites mal de mal le présenter. Vous empêchez même les gens de croire au ministère de Matthieu 24. Nazuia watu wachinga kuamini ule utumishi ambao wamefanya. Mwache kuamka kule upendelevu ya ovu. Na wewe pia. Japo nuru imeshawakisha. Je, unashinda kufananisha nabii na mwalimu? Tuwe bibi. Qu'est-ce qu'un prophète? Nabii ni nani? 1 Samuel chapitre 9. Samuel wa kwanza sura yake ya 9. Verset 9. Mustari yake ya 9. Qu'est-ce qu'un prophète? Nabii ni nani? Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait,
Venez et allons vers le voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Zamani mwisraeli wakati walikuwa nena kumuliza Mungu walikuwa anasema tuende tukaone ule wakuona. Sababu ule kuna itwa leo nabi, zamani bali anza kumuita wakuona. Un prophète est un voyant. Nabi ni ule wakuona bitu. Et au verset 18 et 19, kumina munane pa kumina kenda, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Saul akamkaribia Samuel kati ya ile mlango na akasema, unyoneshe eko ninakusi. Nyumba ya wakuona iko wapi? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Samuel akamjibu Saul, ni mimi ndio mwenye kuwa ule wa kuona. Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Panda leo pafasi ya juu sana pamoja na mimi utakula chakula nami. Et je te laisserai partir demain. Kesho ndio mitakuacha uende. Et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Nitakwambia yote kunafanyika mumoyo wako. Un prophète, Nabi, il n'est pas seulement voyant. Anatu wa kuona. Il est aussi discerneur de pensée. Yeye pia ni wa kutambua mawazo yenye kwa mumoyo. Bebe la Bible. Bebe Biblia. Amos chapitre 3. Amos sura ya 3. Verset 6 à 7. Mustari ya 6 na ya 7. Biblia déclare. Biblia iko nasema. Sonne donc de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Je watapika parapanda mumuji bila watu kuwa katika woga kutetemeka. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Je mumuji munaweza kufika ole fulani bila wa milele kuihusu. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Maana Bwana wa milele hawezi kufanya kitu bila mbele kuifunulia ile siri kwa watumishi yake manabii. Un prophète est un révélateur de la parole. Nabii ni ule ko nafunula neno ya Mungu wala siri ya Mungu. Il est l'interprète de la parole. Yenjo ko na tafsiri le neno yenye kuandikwa. Il est la bouche de Dieu. Yenjo kinywa ya Mungu. Tube Biblia. Jérémie chapitre 1. Yeremia sura yake ya kwanza. Verset 9 il est écrit. Mstari ya kende imeandikwa. Oui, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Kisha wa milele akanyosha mkono yake na akagusa kinywa kyangu. Et l'Éternel me dit. Na wa milele akanyambia. Voici je mets mes paroles dans ta bouche. Tazama naweka maneno yangu ndani ya kinywa yako. Un prophète, il est la bouche de Dieu. Nabi ni kinywa ya Mungu. Il est un voyant. Yenu wa kuona. Yenu wa kutambua mawazo mumoyo. Révélateur de la parole écrite. Yenjo ko nafunula neno lenye kuandikwa. C'est pourquoi William Branham. Ndio maana William Branham anasema. Dans le sermon les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil des temps. Mwile mahubiri ya ukumbusho ya Mungu. Paragraphe 48. Paragraphe 48. La substance foi. Ile mambo ya imani. Ou d'autres ont écrit la foi est une ferme assurance. Ile inaandika mkusema kwingine imani ni hakikisho ya Mungu. Paragraphe 46, paragraph 65. Paragraphe 105, 46, 65. Un prophète est irremplaçable dans un âge. Nduba na manasia nabia ba mkombo lake mwile kizazi mwaya moya. On ne le remplace pas. Aba mkombo lake. Le plan de Dieu continue mais lui est irremplaçable. Mapu ya Mungu yoi itaendelea. Yeye hakuna jinsi ya kumkombola. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa mupo nanifuata. C'est pourquoi on continue même après sa mort à le lire dans les synagogues. Ndio maana hata kisha lufu ya nabii Beko naendelea kumsoma ma synagogue. C'est la recommandation de la Bible. Ndio vile Biblia inaamuru. Bebe la Bible. Bebe Biblia. Pourquoi nous lisons le prophète Branham dans les synagogues? Tu es à nini tukuna musoma na Biblia na umu maskani yetu. Acte des Apôtres chapitre 15. Matendo ya Mitume 15. Verset 21. Mstari yake ya 21. Car. Mana. Depuis bien des générations. Toke vizazi. Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Moussa. Puisque on le lit. Tous les jours des sabbats dans
dans les synagogues. Maana miaka ya mingi ya vizazi vimekwisha pita, lakini mukila muji ambaye muko watu weko na ubiri, na ambaye mwile mamiji kila sabatu weko na musoma Musa mu sinagogi. Vous voyez mes frères. Munaona banduku yangu. Ni kufuatana na mafaa yake. Et dans 2 Timothée chapitre 1. Timoteo wa pili sura yake ya kwanza. Écoutez comment le prophète Paul parle. Musikie vile nabii Paulo yuko nasema. Il dit à Timothée. Yuko naambia Timoteo. Au verset 7 à 8. Mstari yake ya 7 na ya 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Sababu haina ile roho ya ubaridi ambaye Mungu alitupatia. Au contraire. Kinyume. Son esprit nous remplit de force. Roho yake anatujaza na nguvu. D'amour et de sagesse. Na mapendo pia na hekima. Toi Timothée mon fils. Oui, Timothée, mwana wangu. Ne donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Usiwe basi na haya kushuhudia Bwana wetu Yesu Kristo. Ni témoin son serviteur. Wala juu yangu mie mtumishi wake. Paul réclame. Paulo yuko naomba. Quand vous irez prêcher Jésus. Ata wakati mtenda kumhubiri Yesu. N'oubliez pas de me citer aussi parce que c'est que vous prêchez là, vous l'avez eu de moi. Mushisabu kunita yami Paulo, c'est pas bien mukuna obi, mulibitosha kwangu. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa mukuna nifuate. Et quand vous prenez 2 Timothée chapitre 3. Timothée wa pili sura ya 3. Verset 14 il est écrit. Mustari ya 14 imeandikwa. Quoi de mettre dans les choses que tu as apprises. Weye dumu basi mubitu bila ambayo ulifundishwa. Et reconnu certaines. Na bien kutambulikana bya hakika. Sachant de qui tu les as appris. Mwenye kujua ulijifunzia hapo kwa nani. Aujourd'hui nous connaissons la semence du serpent. Leo tunajua uzao wa nyoka. Nous débattons le monde. Tukunashangaisha dunia. Qui d'entre nous a été dans la théologie. Nani alienda kufunda masomo ya teolojia katika dunia. Nous avons-nous appris ça. Tulibijuia wapi. Aujourd'hui nous connaissons la divinité de Jésus. Leo tunayabu Mungu wa Mungu. Nous détenons cette connaissance de quelqu'un. Tunatosha yufahamu kwa mtu fulani. Tu dois savoir de qui tu détiens cette connaissance. Unapacha kujua yufahamu litosha kwa nani. Amen. Même en science. Ata mwelimu. Si vous faites un travail de fin d'études. Kama unafanya ile bwana ndio sasa ya fin d'études. Utabeba wazo ya mwandishi fulani. Vous êtes obligé de le citer. Inapacha wewe umutai wakati unasema. Autrement c'est une malhonnêteté scientifique. Kama umutai ukisema hauna wa kunyoroka mambo ya elimu. Apotre Paul continue à réclamer. Mtume Paulo yuko na lombe ile kitu. C'est pourquoi. Jo man. Yegar c'est un prophète. Kuangalishana na kile nabii Yesu. Puisque ce n'est pas sa vie qui est liée à l'âge. Sababu haina maisha yake njo inaungana na kizazi. Yanaweza kuwa. Mais le message continue. Ujumbe ile alihubiri tendelee. Amen. Ah. Et dans la continuité du message. Mukuendelea kwa ujumbe. Dieu réclame la fidélité au message. Mungu anaomba watu wakuwe waaminifu kwa ile ujumbe. Vous qui continuez, Dieu ne viendra pas vous donner un autre message. Mwe bana Mungu naendelea. Mungu hawezi kunipatia ujumbe mwingine ya sasa. Prenez la Bible. Tubebe Biblia. Prenons Moïse le prophète. Tubebe Musa nabii. C'est à lui que Dieu a parlé. Ni kwake yeye Mungu alisema. Et après lui. Kisha yeye. Prenons les différents docteurs qui viennent après lui. Tubebe balimu wale walimfuata nyuma yake. Esdras. Ezra. Qu'est-ce que Dieu parle à Esdras? Mungu yuko anamonesha nini Ezra? Pour la continuité du message qui a été donné à Moïse. Juu ya kuendelea kwa ile ujumbe Mungu alimpatiaka Musa. Avant de lire Esdras. Bila kusoma. Allez d'abord dans Néhémie. Twende mbele mu Néhémia. Kisha Ezra ni Néhémia. Lisons d'abord Néhémie 8. Néhémia sura ya 8. Après la mort de Moïse. Kisha lufu ya Musa. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte de Dieu. Sasa watu wote wakakusanyika sawa mtu mmoja mbele ya ile fasi yenye kuwa mbele ya mlango ya maji. Ilidira Esdras le scribe. Wakaambia Ezra ule mwandishi. Scribe c'est-à-dire docteur. Ni kusema mwalimu. D'apporter le livre de la loi de Moïse. Alete kitabu ya sheria ya Musa. Prescrite par l'Éternel à Israël. Kile wa milele aliagizia Israeli. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée. Na mkuhani Ezra akaleta sheria mbele ya makutano ya mbele ya makutano. Composé d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre.
lenye kutungwa na wanaume na wanawake wale walikuwa mukimu wakweza kuyelewa. C'était le premier jour du septième mois. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya mwezi ya saba. Esdras lu. Esdras lu. Akasoma. Dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Akasoma ndani ya kitabu tokea asubuhi kufika na jua kati. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Mbele ya fasi ilikuwa ya mlango ya maji na mbele ya uwepo ya wanaume na wanawake walikuwa mkimu ya kuweza kusikia. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Watu wote wakateka sikio sana na kusikia usomi wa kitabu ya sheria. Et quand vous lisez le verset 7, somo mstari ya 7, il est écrit, imeandikwa, et Josué, Bani et tout ça, les Lévites, tous ces gens-là que l'on cite, les Lévites, Balawi, ils expliquaient la loi au peuple. Wakafasiria sheria kuwatu. Et chacun restait à sa place. Na kila mtu alikuwa anabakia nafasi yake. Et tous étaient tout autour de ce docteur. Bote walikuwa kando kando ya yule mwalimu. Mstari 13. Le deuxième jour. Siku ya pili, les chefs de famille de tout le peuple, wakubwa jamaa ya taifa yote, les sacrificateurs, makuani, les levites, walawi, s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, wakakusanyika pembeni ya Ezra huyu mwandishi mwalimu, pour entendre l'explication des paroles de la loi, juu ya kusikia mafasirio ya maneno ya sheria ni kusa ujumbe ile Mungu alimpatiaka Musa. Munaona banduku yangu. Et quand vous prenez, wakati munabebe, Esdras qui était-il? Esdras alikuwa kanani? Chapitre 7 verset 6. Sura ya 7 mstari yake ya 7. C'est Esdras vin de Babylone. Huyu Esdras alitokea yake ku Babiloni. C'était scribe. Alikuwaka mwalimu. Versé dans la loi de Moïse. Mwenye kujua sheria ya Musa. Quel que soit ton doctorat aujourd'hui, hata uko na doctorat ya jele, tu es un docteur. Uko utuma wa walimu, versé dans la loi du prophète de l'âge. Unapasha kujua sheria ya ujumbe wakati yako wewe. Amen. Ça c'est le premier docteur après le départ de Moïse. Huyu ni mwalimu wa kwanza kisha lufu ya Musa. Deuxième docteur après le départ de Moïse. Mwalimu wa pili kisha Musa kwenda. Vous voyez le premier on lui demande la fidélité. Munaona wa kwanza bana mlomba kubakia mwaminifu. Deuxième. Wa pili. Josué chapitre 1. Yoshua sura yake ya kwanza. Verset 1-8. Mstari yake ya kwanza na ya 8. Après la mort de Moïse serviteur de l'Éternel. Kisha lufu ya Musa mtumishi wa milele. L'Éternel dit à Josué fils de Nun serviteur de Moïse. Wa milele akambia Yoshua mwana wa Nunu mtumishi wa Musa. Moïse mon serviteur est mort. Musa mtumishi wangu amekufa. Maintenant, sasa, lève-toi. Amuka. Passe ces Jourdains toi et tout ce peuple. Tambuka Yordani wewe na taifa yote. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu ya kuingia mwinchi ile napatia wana wa Israeli. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Mahali pote kanyangiwa mguu yenu itakanyanga. Je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Yamipatia yo paka vile nilimwambia kayo Musa. Vous aurez pour territoire etc etc. Jimbo yenu anabatia ya mipaka yayo. Nul ne tiendra devant toi. Hakuna yule atasimama kukukomba nisha mbele yako. Wakati utakuwa naishi. Je serai avec toi. Takuwa pamoja na wewe. Comme j'étais avec Moïse. Paka vile nilikuwa na Musa. Siwezi kukuachilia kamwe wala kukuacha. Fortifie-toi et prends courage. Ujipatie nguvu kuwa na hodari. Car c'est toi. Sababu ni wewe. Il mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de le leur donner. Utaingiza watu muriti ya inchi ile nililapa kupatia baba zao. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Ujipatie hodari na ujipatie nguvu uwe na hodari. Agissant. Mukutenda. Fidèlement. Katika uaminifu. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Fuatana na sheria yote ile ambaye Musa mtumishi wangu alikuwa akisema. Kama unaendelea kazi anzia kwa Musa. Lui demande la fidélité à celui-là.
Mungu analomba ule mtumishi abakie mwaminifu kwa ile ujumbe jua kuna ujumbe mbili. Ili ni anasema Netende tourne ni à droite ni à gauche. Usiende kushoto wala kuume. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ili uweze mubile vyote utaanza kufanya. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hii kitabu ya sheria kishende mbali na kinywa yako. Medite le jour et nuit. Ukifikiri mchana na usiku. Pour agir fidèlement. Ili utende katika uaminifu. Selon tout ce qui est écrit. Ufuatane leo tena andiko mwenye kitabu. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Maana ni pale utaweza mubioto utaanza kufanya. C'est alors que tu réussiras. Ni pale sasa utaweza yote. Amen. Et ça c'était dans l'Ancien Testament. Ili kwa kani mwagano la kale. Aujourd'hui. Leo hii. Nous avons eu un prophète. Tuliona nabii. Et après lui. Kisha yeye. Mungu alamusha mtu moyo. Pour distribuer ce qu'il avait donné au prophète. Dieu a kugawanya ile Mungu alipatiaka ule nabii. Susciter pour lui donner un autre message. Mungu ashikumulamusha tu akumpa ujumbe mwingine. Hapana ndugu. Et dans l'écriture de son appel. Na mwandiko. Ya mwito yake. Matthieu 24. Matthieu 24:24. Écoutez ce qui est écrit. Musikele inaandiko. Le même Dieu. Mungu moya moya. Il demande toujours la fidélité comme il avait demandé. Ana mulomba bakia mwaminifu bila lomba kama bale ba zamani. Verset 45. Mustari yake amakuelekea. Le serviteur fidèle. Basi ni mtumishi gani huyu mwaminifu? Fidèle à quoi? Mwaminifu kuni? Il doit être fidèle. Apache kwa mwaminifu. Au message de l'heure. Kujumbe wakati yake. Quel est donc ce serviteur? Ni mtumishi gani huyu? Dieu réclame toujours la fidélité. Mungu anaomba paka uaminifu. Prudent que son maître a établi sur ses gens, les autres coéquipiers, les autres ministres. Na mwerevu la naweza kuangalia mzuri wale watendakazi waliwekwa mkazi pamoja naye. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Dieu kuwapatia chakula mwakati yenye kufaa. Comme du temps d'Ezra. Sabia mwakati ya Ezra. Les gens étaient rassemblés autour. Watu walikuwa kando kando. La même chose aujourd'hui. Vile vile leo. Nous sommes autour de ce serviteur fidèle. Tuko kando kando yeye mtumishi mwaminifu. Et Dieu sait qu'il avait demandé aux autres. Ile Mungu aliomba kama zamani. Il continue à lui demander aussi. Ndio leo anaendelea kumlomba na leo. Kanisa Mungu ananifuata. C'est pourquoi mes frères. Ndio maana banduku yangu. Qui est Moïse d'aujourd'hui? Nani yeko Musa wa leo? Je suis avec larmes aux yeux. Yes, des déclarations. Ni fuate la machozi. Kwa bien tu bile batumishi ya Mungu tutataya. Atutataya. C'est Jésus Christ. Beko nasema Musa wa leo ni Yesu Kristo. Ils disent qu'ils sont avec Franck. Lakini beko nasema tuko na muamini ya Franck. Voyons ce que Franck lui-même dit. Ubebe kile Franck yemo anasema. Lettre circulaire 34. Barua ya kuzunguka numero 34. Qui est Moïse d'aujourd'hui? Musa wa leo ni nani? Page 11, page 12. Page yake ya 11 pa 12. Remarquez maintenant la position glorieuse et pleine de responsabilité occupée par le groupe des Lévites à la porte du tabernacle. Muone ile fasi ya mafaa sana ile ya utukufu ambaye Walawi wanapasha kuwa nayo kumulango ya maskani. Vous trouvez là premièrement Moïse. Mbele kia kwento tapata pale Musa. Moïse, lequel représente le prophète de l'âge. Musa, njoe ye mwenye kuwa nabi wa kizazi. Dit amen. Museme amin. Moïse, lequel représente le prophète de l'âge. Musa, ula namuonesha leo ni nabi wa kizazi. Il dit. Anasem. Moïse. Musa. Il n'était pas seul. Akukwaka ye moya. Moïse, Musa, Aaron et ses fils ne défendaient pas leur propre nom. Aba kuanzeka kusimamia majina yabo benyewe. Mais bien celui du Dieu souverain. Lakini bado kumesimia jina ya Mungu mwenye kuwa mwenye uwezo. Uliyetoa par la colonne de feu. Ule alionyeshwa kati yabo kwa nguzo la moto. Moïse est pour ces derniers âges. Musa tuwe kizazi ya mwisho de l'église ya kanisa l'image du prophète de l'âge frère Branham picha wanabii wa hiki kizazi mwenye kuwa nduku Branham est-ce que vous pouvez dire amen? Munaweza kusema amina. Alors
Sasa Aaron et ses fils Auni na batoto yake représente les cinq ministères de la parole. Bonjo ile mahuduma tano ya neno. Maintenant il dit. Sasa anasema. Il y a en effet. Kwa kweli une parfaite harmonie. Kusikilizana kuzuri. Entre le prophète de l'âge Kati anabii wa kizazi et le vrai prédicateur de la parole. Na baubingi ba kweli ba neno. Les faux prédicateurs n'ont pas cette harmonie. Baubiri babongo babo anaendelea kupatana kuzuri. Ndio Frank anasema. Il y a en effet une parfaite harmonie. Kwa kweli kuko kusikilizana kuzuri. Entre le prophète de notre âge. Kati ya nabii wa kizazi yetu. Et les vrais prédicateurs élus de la parole révélée. Na baubiri ba kweli bateule ba neno la Mungu. Ils agissent dans le même esprit. Eko na tumika mwile wao moyo moyo ya Kristo. Pour veiller à ce que Dieu a kuangazisha mzuri asema. Baubiri bakwe bamba chafa bitumbi. Il doit veiller à ce que soit respecté le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bana pacha kufanya baheshimie ile jina lenye yulu ya majina yote. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ni jina ya Bwana Yesu Kristo. Les vrais prédicateurs. Baubiri bakwe tout faire pour que ce nom-là soit respecté de tous. Bewa na fangu fu yabo yote tu ile jina bantu bote ba yeshimi. Kitu ya pili. Les vrais prédicateurs doivent prêcher le message de l'heure. Baubiri ba kweli banapasha kuhubiri ujumbe ya wakati yabo. Unaweza kusema amina. Je le répète. Na semulula. Maana ni ya mafasa. Ce n'est pas moi qui répète. Aina mini kuna sa ni kuna soma bile kuna sa. Je le répète. Na semulula tena. Il y a une parfaite harmonie entre le prophète de l'âge. Kuko sikizana kuzuri kati ya nabii wa kizazi. Inspiré du Saint-Esprit. Mwenye kusukuma na Roho Mtakatifu. Le vrai ministre de la parole. Na watumishi ba kweli ba neno. J'insiste. Na weka mkazo. Donc c'était très important. Nous sais quoi ya mafasa. J'insiste là-dessus. Pai mambo naweka mkazo. Tu mwikizazi. Anasema juu ya nini mkazo? Mwikizazi. Dans ce dernier message. Mwe ujumbe ya mwisho. Beaucoup d'hommes trompeurs. Bantu ba mingi badanganyifu. Rusé. Na bajanji. Dans les moyens de séduire. Muna muna kutafuta kutongoza. Ceux qui sont encore des enfants. Jubale ba kingari batoto. Ils se laissent emporter à tout vent de doctrine. Bene kubebwa na aina yote ya mafundisho. Ces gens trompeurs se sont levés et parcourent le monde. Abantu badanganyifu maisha lamuka na kusunguluka mudunia. Vous voyez. Munaona. C'est pourquoi j'insiste. Ndio maana naweka mkazo. Le Moïse de cet âge. Musa wa ikizazi. C'est William Marion Branham. Ni William Marion Branham. Amen. Peut-on toucher à son ministère? Jamais. Tunaweza kugusa kwa utumishi wake? Aina mimi na le docteur qui est en train de distribuer. Ni mwalimu ule kuna kawana chakula na les instructions. Anatupatia mafundisho. Hivi ni biashifu fuati. Bawe kuzungua ni biashifu fuati. Mashauri ya Mungu. Message est là. Na ujumbe iko hapa. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa mimi unanifuata. Écoutez ce que celui qui est chargé pas. Mushikie ule anawekwa mkazi ya kugawanya chakula. Je, tunaweza kugusa kwa utumishi? Lettre circulaire 43. Bawe kuzunguka ni 43. Page 6. Page yake ya 6. En bas, vous savez, il n'y a pas de paragraphe chez lui. Mule chini hakuna paragraphe. On ne peut pas toucher au ministère de Frère Branham. Hakuna jinsi ya kugusa kutumisha ndugu Branham. Parce qu'il est important dans l'histoire du salut. Jumu historia ya wokovu iko ya mafa. Et qu'il avait été promis pour le temps de la fin. Na ilileto jo wakati ya mwisho. Il s'est accompli ce qui lui a été dit le 11 juin 1933. Il timilike le balimwambiaka le 11 juin 1933. Soit que ce message de la parole révélé en son temps précéderait la deuxième venue de Dieu. Ah, c'est ma hii ujumbe banamupatia itangaze yonjo itatangulia kuya kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Amuna na ruhusa ya kugusa kuili. Ce sont les conseils et les directives qu'on vous donne. Ni ma bionyesho bile tunapasha kufuata bile banatushauri. Page 47. Page 7. Page yake ya 7. Amba. Kule chini. Frère Franck fait la comparaison des ministères. Nduku Franck yako nafananisha mahuduma. De tous les évangélistes de notre génération.
est venu bien connu de tous. Frère Branham en est une glorieuse exception. Il était véritablement un homme envoyé par Dieu. Dans la bouche duquel la parole était la vérité. Il a remis sur le chandelier la doctrine biblique originelle. Il a dit ce que dit l'écriture et croyez ce que dit. Museme kile maandiko inasema na muamini kile inasema. C'est une glorieuse exception. Ni utu, mambo boya utukufu ya upeke. Vous lisez dans la lettre 35. Awa kuzunguka 35. À la page 3. Page ya kiatatu. Lisons ce que l'homme de Dieu dit. Museme kile mtumishi wa Mungu anasema. Il y avait un Jean-Baptiste. Kulikuwa ka yule mbatizaji moyo. Un Pierre. Petro moyo. Un Paul. Paulo moi. Et un Jean. Na Yohane moi. Lequel reçut en partage la révélation de Jésus-Christ. Bale bali pokiaga kwa sehemu ile ufunuo wa Yesu Kristo. Pour achever la Bible. Juu ya kuiweka kuimaliza Biblia. S'il était utile de comparer le ministère de chacun de ces hommes que nous venons de mentionner avec celui de Frère Branham. Kama ingekuwa ya mafaa tupimanishi utumishi wa bantu tunatokea mkutai na utumishi ya nduku Branham. Celui de Branham serait vraisemblablement le plus grand. Ya Branham kwa kweli tu yori pasha kwa yulu ya bale bengine. Celui qui l'a entendu lors de ses prédications. Urali musikeke wakati ya mahubiri yake. Ou qui les a lu. Awali isoma. Ou même qui a vu le film à la profondeur après la profondeur. Awali one le film ya upane nete upane ingine. Se souviendra du ministère particulier. Atakumbuka huduma ya upeke. Il exerçait après la prédication pendant la prière pour les malades. Il alikuwa anatenda kazi kisha mahubiri wakati pako naombea bagonjwa. Frank anasema. Le seul homme de Dieu ayant reçu du Seigneur la tâche par ce ministère surnaturel du don de révélation et de discernement de faire paraître le signe du Messie au jour. Niye muhuduma yake alipokee alama ya upekee ya kuleta maufunuo na kuweza kuonesha wazi maalama ya Masia wa hii wakati ya mwisho. Peut-on ajouter au message de Frère Branham quelque chose? Tunaweza kuongeza ku ujumbe wa ndugu Branham kitu fulani? Soyez attentif aux directives au conseil du docteur établi pour distribuer la nourriture. Muteke sikio kubile iba mwalimu aliwekwa tu akugawana chakula mwi wakati yako natupata sapi ya kwa. Peut-on ajouter quelque chose? Tunaweza kuongeza. Kuongeza kitu fulani kutumishi wala ujumbe ya ndugu Branham. Barua ya kuzunguka numero 26. Page 11. Page ya 11. Il commence par l'écriture de la Bible. Anaanzia hapo na andiko ya mbibi. N'ajoute rien à ces paroles. Mushongeze kitu kwa neno. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Kwa boka basi kukemela usipatikane muongo. C'est écrit dans Proverbe 30 verset 6. Mezali makumi tatu mustari ya sita. Maintenant écoutez la déclaration. Sasa mushike tangazo. De même que personne ne peut rien ajouter. Aka fi. Répondit Moïse, Élie, Esaïe, Paul et beaucoup d'autres au nom du Seigneur. Aussi certainement, rien ne peut être ajouté à ce que Dieu a dit par Frère Branham. Paka vile hakuna mtu anaweza kuongeza kitu. Kukile Musa, manabii wale wote wa zamani, bila bagisema hivi Bwana Mungu anasema hakuna cha kuongeza, vile vile leo hakuna mtu anaweza naye kuongeza kubile ndugu Branham alisema kwa upande ya Bwana. Voyez les directives et les conseils. Munaona biashi kufuata na mashauri. Wakati tunasoma dans la lettre 25. Mubawa kuzunguka numero 25. La page 11. Kupaja 11. Quel est l'original? Kia kumwanzo kinyo ni nini? Ce qui est original aujourd'hui c'est quoi? Kia kumwanzo leo hii ni nini? Écoutez le conseil. Mushike na mashauri. Anasema. À cet égard. Oui mambo. Il doit être dit clairement inapasha kusemewa wazi wazi ya kuwa Frère Branham et à personne d'autre. Ni kwa Frère Branham yeye moyo hapana kwa mtu mwingine. Que la charge a été
donné de préparer la deuxième venue de Jésus. Yeye alimpatia buzito ya kutayarisha kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. Unaweza kusema amen? Nous continuons. Tuko naendelee. Lui-même Branham dit ceci dans ce qui concerne ses prédications. Yeye mwenyewe ndugu bwana mko nasema hivi kwa mambo kuangalia upili yake. Ce message mwi ujumbe se trouve la foi pour l'enlèvement. Muko imani tu akunyakuliwa. Ce n'est donc pas dans ce qu'un frère prêche. Aina mubile ndugu fulani yako na ubiri. Bien dans le message. Lakini muujumbe. Il dit. Anasema. Bien dans le message prophétique. Lakini muujumbe ya kinabii. Directement inspiré de Dieu. Ile ni sukumo na wao wa Mungu. C'est là que se trouve tout ce dont nous avons besoin pour notre préparation jusqu'à notre transmutation jusqu'à l'enlèvement. Ndio tunapata bila tunavyo lazima tu kujitayarisha kwetu kubadilika kwetu na kunyakuliwa kwetu. Ndio ile anasema tu bia shukufuata tu kunyakuliwa. Anasema c'est pourquoi il n'est pas nécessaire que quiconque interprète selon son opinion la parole prêchée par frère Branham. Ndio maneno ya mafaa mtu fulani atafsiri kufuatana mawazo yake ile ujumbe ndugu bwana alihubiri. Kuko tu mjumbe moyo. Un seul message. Na ujumbe moyo. Qu'il veut avoir l'original. Yo inakuwa na mambo yenyewe ya mwanzo. Entendre les prédications de frère Branham. Ile ikusikilizisha. Ndio Frank anasema mahubiri ndugu Branham ndio yenyewe ya mambo ya mwanzo. L'original. Ase kia mwanzo entendre la prédication de Fabona. Kusikilizisha mahubiri ya ndugu Branham. Il n'y a qu'une seule épouse de la parole révélée. Kuko Biblia usi tu moyo wa neno nikufunuliwa. Il y a beaucoup de marcottes des interprétations de la parole. Lakini kuko kutafsikwa kwa chana chana kwa utafsika upekee au jumbe au ndugu Branham. Mais pour les âmes qui appartiennent à l'épouse. Lakini jua manafsi ni kwa Biblia usi. Tous les mystères se trouvent dans ce message. Mahujuma yo, masiri yote yako ndani ya ujumbe. Leso, nyuri, letone, nyungurumo, par principe, toutes choses, etc. Na bile bingine biyote biko, masiri yiko mwi ujumbe. L'original, kia kumwanzo, vous devez vous référer à ce que l'homme de Dieu a dit. Angalia kukile ndugu Branham alisema mtumishi wa Mungu. Amen. La nourriture distribuée. Chakula ni kugawanywa. Doit être égal à la nourriture emmagasinée. Inapasha ifanane na ile baliweka mwakiba. Sikia emmagasinée le sarashi. Kama ulichunga nkalanga mwakiba. Distribue le riz. Ushikabule mchele leo. Hapana. C'est pourquoi Dieu exige toujours la fidélité. Ndio maana Mungu analomba uaminifu kila wakati. Vous voyez mes frères. Unaona banduku yangu. Comment pouvez-vous dire? Je unaweza kusema ni profeta terminé. Hata kizazi anabiki chakwishi. Hata ni wakati ya Franki. Ni kuendelea kwa ujumbe. Mambo ni kuwa waaminifu kubile Mungu alisema. Un profeta est remplaçable. Nabii abamkombolea kuko mwingine. Mwile kizazi liwekwa. Nous l'avons déjà lu. Lettre 32. Bawa kuzunguka 32. Page 18. Page ya 18. Comme nous le disons, sable tunaisema, Joseph a eu le privilège de préparer la nourriture pour le temps de la faim. Yusuf alipata ile bahati pour le temps de la famine. Yusuf alipata ile bahati ya kuchunga chakula ile wakati ya njala munene. Il a eu aussi le privilège de la distribuer au temps convenable. Mwakati yenye kufa alipata tena ile bahati ya kuigawanya. Selon la sagesse que Dieu lui avait donnée pour cela. Kufuatana hekima ile Mungu alimpatia kwa kabula ile chakula. La nourriture distribuée. Ka chakula ile bakabula. Était la même que celle qui avait été emmagasinée. Ilifanana na pamoja na ile baliweka mwakiba. Est-ce que le peuple est avec moi? Taifa ya Mungu muna nifuate. Il y a encore en bas, il y a beaucoup d'autres détails reprenant toujours la même chose. Kule chini mukisoma kuko mambo moya moya beko na semulula pa imamu. Ndio maana ndugu Frank. Beaucoup l'ont attaqué. Ba mingi bali mukombanisha. Pourquoi tu cites Branham? Tenu kuna mtaya Branham. Tu dois seulement prêcher. Unapasha tu kubi. Tenu kuna mtaya Branham. Et lui-même répond. Ye moya anajibu. La parole de Dieu demeure éternellement. Neno ya Mungu inadumu milele. Page 16. Page ya 16. Page 19. Page ya 19 tena. Et nous lirons page
page 69. Tasoma na page yake ya 69 jusqu'à page 70. Paka na page yake ya 70. Je suis encore 16-19. Tasoma mbele 16 na 19. Beaucoup n'aiment pas que je cite souvent frère Branham. Baminga bapende nitaye kila mara ndugu Branham. C'est devenu comme une démangeaison. Inakuwa sabi kuna ba washa washa. Beaucoup n'aiment pas que je cite souvent frère Branham. Baminga bapende ni mutaye ndugu Branham. Mais lakini qui peut parler du déluge sans mentionner Noé? Nani anaweza kusema mambo ya gaga ya Noa? Ni Jean-Baptiste. Nani anaweza kusema kutayarisha njia ya Bwana bila kumtaya Yohana Mbatizaji? Mwi wakati. Nous allons au devant des événements décisifs. Tukunaenda mbele ya mambo moyo ya nguvu sana. Dieu n'a pas dévié de ses principes. Mungu kwenda mbali na makanuni yake. Mais lakini à nouveau. Hapa sasa mada nyingine. Il confie ses desseins à un homme et puis il écrit le 1 là en majuscule. Ah, il était ma cousine avec toi, mon tout mot à poule. Et il dit Anasem, non pas un groupe. Appelle Koukoundi Aban. Aujourd'hui, Léoï. Les desseins de Dieu sont confiés à un seul homme. Ma cousine à mon balampatia et mon tout mot. Un groupe d'hommes. Appelle Koundi Aban. Vous voyez, mes frères. Vous n'avez pas de couillard. Il ne fait rien sans le révéler auparavant à ses serviteurs qui sont les. Personne ne peut encore comprendre pourquoi j'ai fait spécialement mention des frères Branham. Bantu baminga bawezi kuyua juu ya nini niko na mutaya kwa makusudi ndugu Branham. Il ne comprend pas pourquoi je prends fréquemment parti pour lui, c'est-à-dire pour son message qu'il apporta de la part de Dieu. Na baminga baleo je niko kwa upande yake ni kusema naegemea sana ile ujumbe Mungu alimpatia juu ya leo. Mais quand dans la suite, ça, mouille, tafouata, vous entendrez tout ce que Dieu a révélé à son serviteur, vous reconnaîtrez combien ce message est important. Nini, ujumbe, ça, c'est quoi, mafa. Et qu'il est en relation directe avec les ordres de Dieu. Na inambatana kabisa na ile maagizo ya Mungu yako na leo. Réfléchissons. Ufikiri iko mbele kwa mambo tu moyo. Cet homme de Dieu. Il zawadi ya Mungu. Cet homme de Dieu. Huyu mtumishi wa Mungu. C'est basant sur une vision. Mwenye kusimamia tu pa. Mwenye kusimamia tu pa. Tubebe iko tuono yake moyo. Il a pu dire 10,000 fois. Bagi sema. Il s'y dit le Seigneur sans qu'aucune fois ne puisse faillir. Mala maelfu kumi. Alisema hivi Bwana Mungu anasema lakini hakuna hata moyo ilishinda kutimilika. Sante jamais quelque chose ne révéla une erreur. Hakuna hata moyo ilifunula hata peko nkosa hapa alisema. C'est vrai. Ni kweli. C'est vrai. Ni kweli. 69. C'est lui qui rejette le message confié par Dieu à son serviteur le prophète William Harold Branham. Ula na katala ujumbe. Ile ile kuhakikishwa na Mungu alipatia yo mtumishi wake William Harold Branham. Celui-là méprise la véritable connaissance de Dieu. Ula na zarau wala na peula ufahamu ya kweli ya Mungu. C'est lui qui rejette le message. Ula na tupa ujumbe na katala. Confié par Dieu à son serviteur le prophète William Branham. Ile Mungu alipatia mtumishi wake William Harold Branham. C'est la véritable connaissance. Anazarau ufahamu ya kweli ya Mungu. Et puis il blasphème contre Dieu et porte atteinte à son honneur. Nikusema kisha yake tena na kufuru Mungu na anajikosea yeye mwenyewe. Ni kufuru. Ni kufuru. Batumishi ya mingi ya Mungu basha kukufuru. Aina ya mafaa. Et toi aussi qui as la lumière. Na wewe mwenye kuwa na nuru sasa. Hauwezi kuvumbula mwalimu na nabii. Je continue à lire. Naendelea kusoma. C'est lui qui bafoue les vérités de la Bible. Ule anatupa maukweli ya Biblia. Tout simplement parce qu'il ne peut pas les classer selon la logique humaine. Sababu yeye anashindwa kubielewa kufuatana bumuntu ya bumuntu. Il se moque de la grâce de Dieu et crucifie à nouveau le fils de Dieu. Eko na chekelea neema ya Mungu tena na msurubisha maga abili mwana wa Mungu. Ala honte ya abili umini. Ana mufezeresha mbele ya watu na kumuchambulishi. Tata ni unoli. Frank anaulizi. Jusqu'à quand? Kufikia wakati gani? Kuwebe na njobo. Kwa osi facilement detourne.
Mungu ashijachili yake bantu bamutoshe pakiti yake. Et envoya son prophète pour reporter dans notre temps au peuple de Dieu le fondement d'une foi biblique. Mungu aliacha mtumishi wake nabii anamutumu akuyatangazia taifa ya Mungu ile misingi ya kibiblia ya vya kweli. Jamais encore depuis les temps apostoliques. Tokele wakati ya kimitume kamwe. Jamais la parole de Dieu ne fut annoncée aussi purement avec une telle puissance. Ayahubiriwaka muusafi yao na uwezo wa aina muna mwikizazi. Ta mwikizazi. Anasema, "Nous ne pouvons pas simplement rejeter un homme que Dieu a utilisé pour amener plusieurs millions de pécheurs au Seigneur par la prédication de l'évangile de Christ. On ne peut pas le rejeter. Awezi kukatala ule mtumishi wa Mungu mwenye kuhakikishwa juu waaminishe maelfu ya watu juu ya kusema baamini habari njema ya Kristo. Anauliza, qui veut attribuer ce que Branham a fait là à Satan? Nani anaweza kusema ile Branham alifanyaka ni shetani ndio anayofanya? Nani atasema ile kazi ni shetani tu? Si c'est comment conduit des âmes à Christ. Kama huyu mtu aliongoza manafsi kwa Kristo. Proclamer le sang de l'agneau comme seule rançon de notre salut et du pardon de nos péchés. Na kutangaza damu ya mwana kondoo ndio ilitukombola na iliweza kuondoa dhambi yetu. Qui veut prétendre que ce que Dieu a fait vient d'en bas, c'est-à-dire. Na ana anaweza kusema bila bilifanyika binatokani kwa shetani. Sans se rendre coupable tout de suite de blasphème contre le Saint-Esprit. Bila kufumbula sasa huko na kufuru pale Roho Mtakatifu kama unafanya. Nduku na dada bapendwa. Bagafiki bapendwa. Sashipa ici d'un homme. Hapa ina mambo ya mtu. Ou de notre position envers cet homme. Ao nishie tukutu mapendelevu mbele ya ule mtu. Il s'agit de Dieu et de sa parole. Ni mambo ya Mungu na neno yake. Qu'il a mise dans la bouche de son serviteur. Aliweka mkinywa mtumishi wake. Et prophète pour son peuple d'aujourd'hui. Na nabii juu ya son vis-à-vis de Dieu. Aina kusema ni Mungu. Ao ni juu tunapendelea ule mtu mambo yetu. Il s'agit de Dieu. Ni mambo ya Mungu. Et de sa parole. Na neno yake. Il l'a mise dans la bouche de son serviteur et prophète pour cet âge. Aliweka mkinywa nabii wake na nabii wa kizazi mtumishi wake. Quelqu'un veut-il prétendre mieux connaître la parole de Dieu qu'un prophète de Dieu? Mtu anaweza kuwaza sana anayua mzuri sana neno ya Mungu kumpita nabii wa Mungu? Qui peut le faire? Nani anaweza kusema vipi? Qui peut connaître mieux que le prophète? Nani anaweza kujua kupita nabii? Vous voyez mes frères. Mnaona banduku yangu? C'est pourquoi. Ndio maana. Nous devons lire toutes les prédications des frères Branham. Tunapaswa kusoma mahubiri yote ya ndugu Branham. Il n'y en a pas à lire d'autres à ne pas lire. Hakuna mahubiri ya kusoma na nyingine hatuwezi kusoma. Même avant 63 ou après 63. Tout sont à lire. Hata mbele ya 1963 hata kisha 1963 utasoma yote. Ni mashauri naisema vile ya ule mwalimu balituma atushaurie. Je vous le lis tout de suite. Kamisomea hiyo hapa sasa. Lettre circulaire F2. Baraka kuzunguka numero 22. Page 6. Page ya 6. D'ailleurs, il intitule là-bas directive divine. Japo yeye mwenyewe anaandika kitu ya mambo kusema. Mungu viongozi vya Mungu. Toutes les prédications de Fernand. Mahubiri yote ya ndugu Branham. Sans exception. Bila kutosha kwa tamoe. Nous sommes précieuses. Iku ya damani kwetu. Qu'elle soit pour l'évangélisation. Ikwetu ya kupasha habari njema. Qu'elle soit pour l'évangélisation. Iwe cha kupasha habari njema. Qu'elle soit pour la doctrine. Iwe cha mafundisho ya msingi. Avec ou sans service de guérison. Iwe na kazi ya kutunza watu wala hapana. Elles sont précieuses. Jua nini kuya damani. Par leur moyen. Kwa namuna yayo l'infinie et vaste action souveraine et universelle de Dieu est déployée devant nous. Ile mamlaka kubwa ya Mungu iko natendeka ndani yayo. Par le moyen du message. Kwa njia ya ujumbe. Des prédications du prophète. Mahubiri ya nabii. L'homme de Dieu dit. Mtumishi wa Mungu anasema l'infinie et vaste action souveraine. Nous sommes kazi ya sipo mipaka na ya mamlaka yote ya Mungu. Universal de Dieu. Na ile kwa dunia mzima juu ya Mungu. Voyez devant nos yeux. Inaonekana wazi mbele ya macho yetu. Vous voyez mes frères. Unaona banduku yangu. C'est pourquoi. Njoo man.
une question a été posée à Frère Franck. Ulizwe mwa balimulize kanduku Franck. Qu'est-ce qui est la parole? Parce que les hommes posent des questions. Taba batwe kona ulize. Question 18. Ulizwe numéro 18. Écoutez la question. Musikia ulize. Quelle est la nourriture spirituelle? Chakula ya kironi ya wapi? Ni nini chakula ya kironi? Chakula ya kironi nini? Les prédications de Frère Branham ou la Bible? Ni mahubiri ya nduku Branham au ni Biblia? C'est une question posée. Ni ulizo wanaulizi. Est-ce que vous êtes avec moi? Muna nifuata mzuri. Écoutez la réponse. Musikia jibu. Qui peut bien poser une telle question? Nani anaweza kuuliza ulizo ya mzuri? Il demeure pour toujours que l'homme spirituel ne peut pas vivre des pains naturels. Iko ya kweli asema mtu wa kiroho hawezi kutafuta chakula kimwili. Le pain qui est descendu du ciel. Mkate ya bia kweli ilishuka toka mbingu. La nourriture spirituelle. Chakula ya kiroho. Et la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Par laquelle nous sommes fortifiés pour faire la volonté de Dieu. Kwa njia yayo tunapatiwa nguvu juu tufanye mapenzi ya Mungu. Que nous la lisons dans la Bible. Nous sommes Biblia. Que nous la recevions d'une prédication. Ah, tu y pètes quand j'ai ma oubli. Pour les élus. Tu as batté où les? Qui voit? Ben y quoi mille? La parole accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Neno itatimiza sababu gani bali itumia. Conclusion. Njo mambo ya mwisho. Dans les prédications de Frère Branham. Muma oubli ya ndugu Branham. Nous trouvons la parole fraîchement révélée. Tu n'as pas telle neno lifunuliwa kabisa hapa sasa. La manne fraîche. Mana yenye kuvuya damu. Et c'est ainsi que Dieu fut divin est atteint. C'est ainsi que Dieu le but divin est atteint. Kifukuzio ya Mungu kinapatikana. Il est ce message. Il est relié à le but divin est relié à ce ministère. Kifukuzio ya Mungu kinafungwa kwa hii ujumbe dans lequel la partie prophétique et aussi la partie doctrinale se trouve comprise. Mule munapatikana sasa kipande ya unabii na mafundisho ya msingi. Ile yote mnayo lazima. Vous le trouvez en magazine dans ce message. Mutaipata baneweka saa akiba mwi ujumbe. Est-ce que l'église est avec kanisa muna nifuata? Tu veux connaître la volonté de Dieu sur la chevelure. Unapenda kuyo mapenzi ya Mungu ambayo nyoele mwanamuke. Angalia mujumbe. Itakuambia. Utakuwa na nyoele ya namuna kanileo. Tu dois. Tu veux recevoir le Saint-Esprit. Unapenda pokea wa mtaratifu. Rekula. Wende wangalia mujumbe. Itakuambia fanya hivi fanya hivi fanya hivi. Vivez dans le mariage. Mundo anapenda kuishi mzuri. Tu es dit c'est le matériel de préparation. Hii ujumbe njoo yenyewe kuna tutayarisha. Amen. Amen. C'est pourquoi. Njoo man. Dans il est écrit. Mahubiri imeandikwa. Dans ma brochure de cette édition ici. Mufugeuza 22. Cette édition. Mais ici c'est 30. J'ai retrouvé ça. Ukuni page 30. Il écrit des grands caractères ici, ce sont des petits caractères. Ini kunayo bayandika mbinene. Donc dans ça c'est 30. Mwini 30. Si vous avez ce que moi j'ai là c'est 22. Ini kunayo hapa chini ni 22 ya toi tuloko. Frère Franck dit. Ndugu Franck anasema. Je suis persuadé. Niko na hakikisha. Que ce message de la parole. Asei ujumbe ya neno. Apporté dans ce dernier âge. Yenye kuletwa mwikizazi ya mwisho. Celui qui prépare la deuxième venue de Christ. Yonje kone taisha kuya kwa pili kwa Kristo. Pouvez-vous dire amen? Munaweza kusema amina. C'est ce qui est arrivé à Oyo. Njole lifika kule kumtoni Oyo. William Branham mabatiza la 17 personne. William Branham mabatiza mtu wa 17. Nguzo la wingi kashuka. Sauti kasema. Comme Jean-Baptiste. Parapia wano mabatiza. Ali mtu maka jo utangutarisha kwa 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 kwanza. Na kupa ujumbe na we. Aina we Branham mungu na tayarisha. Ujumbe yako itaisha kuya kwa pili. Njoo mara Bwana alikufa. Ujumbe wewe inabaki. Wakati inabaki. Mungu ana Mungu anabaki anatuomba. Tutakaa. Tutageu. Na kunyakuliwa. Tunapaswa kuangalia kwa ujumbe tu.
Est-ce que l'Église est avec moi? Kanisa muna nifuata? Et Franck fait une grande déclaration. Franck anafanya tangazo kubwa. Dieu va m'a vraiment aidé. Mungu anisaidia sana. Je suis dans les limites de temps. Na niko mu wakati ile nafashi tambu. Lettre 6. Baraka kuzunguka numero 6. Page 14. Page yake ya 14. Écoutez les conseils. Musikie mashauri. Chacun en particulier. Kila mtu binafsi. Kila mtu kwa upeke binafsi. Okay, c'est ça. Chacun en particulier devait se demander. Kila mtu kwa upeke alipasha kujiuliza. S'il a une part à ce que Dieu fait. Kama na yeye kuna shiriki kwa kile Mungu yuko nafanya. Et à l'accomplissement de la promesse divine pour ce temps. Na kutimilika kwa malako ya Mungu joi wakati. Kila mtu anapaswa kujiuliza yeye mwenyewe. Tous ceux qui pensent retenir le peuple de Dieu. Bale watu wanawaza sabo joi mekesha kushika batoto ya Mungu. Concernant ce que le Seigneur a dit et a fait. Fuatana kile Bwana alisema na kufanya. Vienne trop tard. Bale nafika benye kuchelewa. C'est déjà trop tard. Basha chelewa. Il y a longtemps que leurs manœuvres de dissuasion et leurs tactiques ont été percées à jour. Kunesha pita wakati mrefu waliweka wazi namna yao ya kutenda na kalamushi yabo. Nous ne suivons pas un homme. Si atufuate mtu. Mais le Seigneur seul. Tunamfuate Bwana peke yake. Dont la parole est une lampe à nos pieds. Oh, neno la Mungu ni lampe kwa miguu yetu. Une lumière sur notre sentier. Na nuru mubarabara yetu. Frère Branham disait. Ndugu Branham alianza kusema. Un homme abandonne la parole de Dieu. Wakati mtu anaacha neno la Mungu. Na moyo mumwache ole mtu. Sababu Mungu anaesha muacha. Amen. Awezi kusula kile Mungu alituma leo. Hapana ndu. Il n'y a pas un deuxième message. Hakuna ujumbe ya pili. Tulisoma na mwe. Kwa tu ujumbe mwe. Mujumbe mwe. Bana tulome tubakie baaminifu kwa hivi. Notre strasse est autour d'Ezra. Aujourd'hui, notre strasse est Matthieu 24-45. Autour de lui, et nous donne des directives. Pourquoi recevant de là, il est fidèle au message. Ye, anabakia na yeye mwaminifu kwa ujumbe. Frank n'a pas une autre message. Frank ana na ujumbe ingi. Hapana ndu. Pourquoi tout jumbe moi? Il était donné. Il est toi. Et qu'il est en train de distribuer. Na yon joe kon a ikaboula. C'est pourquoi. Joman. Quand Dieu l'a appelé, Branham n'était pas là. Wakati Mungu alimuiteka Branham shuku yake. Quand Dieu lui a parlé. Wakati Mungu alisumbulia kanali. Quand il a parlé à Frank. Wakati Mungu alisumbulia na Frank. Il m'a parlé à cette oreille. Frank anasagi nisumbulisha kuhishi. Ikweli busumbui sa. Il était troublé. Alivuko. Quand il est allé pour magasiner. Wakati alienda juu kuchunga chakula. Les bourgeois, c'était le maïs. Ilikuwa ni vyakula vya kimwili mingi vya kwacha. Révélation de la parole. Ah, c'était un docteur. Ashukua na ufunuo wa neno. Sortez du fanatisme à outrance. Mutoke mwili upendelevu ya ovyo. Il n'était pas le voir. C'est lui qui discerne les pensées. Kama angeenda kuona. Ule anatambua kama wazi wa watu alipasha kuchanga kanya bini. Quand le temps passé. Le temps est passé. Wakati lipita. Et puis la guerre n'est pas venue. Nisha vita ikukui yeko. Anasema. Il m'a parlé. Mungu aliniambia kuishikio sasa. Hapana. Alors que j'aille voir. Nyene nikaone. Le voyant. Ule anaona. Que j'aille consulter. Nyene nikaulize. C'est lui qui discerne le cœur. Ule anatambua kama wazi wa moyo. Wakati alipofika. Il a payé na. Alilipa ndege. Il a payé un visa. Akalipa na visa. Il est allé rencontrer l'homme de Dieu. Akaenda kutanisha na mtumishi wa Mungu. Bansu était là. Wakati walikuwa pale. Bansu Wood na Sotu Mwema walikuwa pale. Wakati walikaribia. William Branham a discerné ce qui était. William Branham alitambua kwa roho Biblia ilikuwa mu moyo wake. Frère Frank. Akamwambia ndugu Frank. Dieu t'a parlé. Il lui répète exactement ce que Dieu lui a dit. Akamwambia ndugu Frank Mungu alisumbuka na wewe akamsemea bila yeye alimwambia. Ce que tu as mis là, ce n'est pas ça la nourriture. Mais bila unachunga aina ile chakula bali kwambi. La nourriture dont il est question. Chakula le bali kwambia uchunge. C'est ça. Ni ujumbe. Attends.
sorte encore parce qu'il a fait. Joël, quoi qu'il y a, il faut dire le dernier. Comme ça, vous prendrez pour aller. Asa kishawe kwa kuichunga mimi nitatoka hapo wenje tena kugawani. Confusion sur le prophète et les auteurs. Batonegite beko mumvuko ya nguvu sana. Kati ya mwalimu na nabii. Et toi aussi tu as de la confusion comme les tonneristes. Na wewe uko na mvuko sasa bantu wa mingugumu. Yulu ya nabii na mwalimu. Hapana ndu. Ce n'est pas juste. Aina ya haki. Pour ce soir. Joie magharibi. Que le Dieu de toute éternité bénisse. Mungu wa milele yote amibariki. Nous invitons à vous mettre debout et remercions tous ensemble le Seigneur. Quelques communiqués. Tu crois qu'on a matangazo? Le frère Kaba.